Je commence à en avoir ma claque de voir tous ces mecs me passer devant un petit Pierre, c'est moi qui devais l'avoir. Bah mets-toi au foot. Non, qui s'occuperait des enfants? Madame, vous avez un mari formidable, je me félicite tous les jours de l'avoir engagé. Demain matin, j'emmène les enfants à l'école. Super. Je te donnerai l'adresse. C'est pas vrai. Mais tu comprends bien que je peux pas adapter ma boîte au rythme de ta femme. Si elle veut faire carrière, elle a qu'à prendre une nounou qui reste tard pour faire le boulot à sa place. J'y suis à moitié devenu un mec. J'ai le même salaire que toi pour le même boulot. Comment je fais, moi, si j'ai à la fois des enfants et un tant soit peu d'ambition? Je peux pas changer le système à moi tout seul. 6 mois. Tu vas partir 6 mois. Mais t'es complètement folle. Il va falloir que tu t'organises. C'est ça, il va falloir. Tu vas laisser tes enfants seuls avec leur père pendant 6 mois et tu appelles pas ça une catastrophe? Il a promis qu'on pourrait commander des pizzas. Tu m'appelles en arrivant? Oui. Je suis en train de faire une énorme connerie. Il est quelle heure à Tokyo, là? 8h. 5h du matin. C'est fermé après la dame. C'est la dernière fois, je promets, je vais faire un effort. Oui, si vous allez faire un effort, vous le trouvez quelqu'un d'autre parce que moi, je suis fini, hein. Je m'en vais à la fin de la semaine. Je ne bouge pas. Tu la connaissais, comment tu l'as trouvée? Elle a des références. Tu vas pas prendre la première blonde avec... Qu'est-ce que tu en sais si elle est blonde d'abord? Voilà comment tu vas finir si ton mari découvre que t'es à Paris alors qu'il te croit à Tokyo. On mélange nos poids avant le shampoing au pétrole. Madame Takovic, t'es très bien entendue avec les enfants. Ils sont vraiment très mignons. Vous aussi? Enfin, les enfants, dépêchez-vous! C'est pour ça que les hommes délèguent tout ça à leurs femmes. Sinon, où ils trouveraient le temps de lire l'équipe et de regarder le foot?